Ah, c'est fort. Ah, c'est pour moi que c'est fort seulement? Oh la vache. Ah, ça m'a surpris. SteamWorld Dig alors. Je vais quand même vous baisser un petit peu parce que je sais pas trop à quel point ça nique les oreilles chez vous aussi. Ouais, il y a beaucoup d'options, dis donc. Bah, let's go. Ça fait pas beaucoup de gens. C'est fort. Je ne crois pas que je vais sortir par là où je suis rentré. Ça pourrait faire partie de la mine de mon oncle. Il manque juste un peu de peinture. Vaut mieux l'explorer avant que ne s'épuise ma lumière. Attendez. Un truc qui va pas. C'est fort. Qu'est-ce que tu fais? Ton entrée spectaculaire a démoli le toit. Je suis désolé, mademoiselle. Mon oncle m'a envoyé à cette mine. Je partais pour Tumbleton afin de découvrir pourquoi, puis je suis tombé. Oh, tu es le neveu de Joe? Ça fait un moment qu'il est parti. Je descends discrètement à la mine quand je peux et je viens de le trouver. Je suis désolé. Tu devrais aller voir toi-même. Il est mort. Ah, oui, en effet. Ah, ça fait un bail, cher oncle. Pardon de ne pas être arrivé avant ta disparition. Tu as toujours dit qu'on était pareil. J'ignore pourquoi tu m'as envoyé ici. Je ne suis pas mineur. Ouais, je ne veux pas te priver de ton butin. Si je pouvais t'emprunter ta pioche, je pourrais sortir de cette tôle. Ah, qui, ancienne pioche. Ok. Je vois que tu as trouvé une pioche. Tu ressembles à un vrai mineur. C'est bien, le levier de la porte s'est fait ensevelir quand tu es tombé. Il faut creuser un tunnel au-dessous de nous pour y arriver. Ok. On peut pas remonter du coup. Parce que vu qu'on peut pas. J'ai l'impression qu'on. Voilà, on peut. On peut pas faire en diagonale. Donc. J'ai pas l'impression. Jusque là, ça va, c'est pas trop compliqué. Ah, saut mural, ok, j'ai rien dit. Oubliez ce que j'ai dit. Non, saut mural. C'est sûr que ça aide. Ok. Oh, c'est agréable de voir un nouveau visage en ville, surtout quand il est si beau. Il n'y a pas souvent des nouveaux arrivants. Les gens préfèrent aller ailleurs en général. Alors, tu es notre nouveau mineur? Je suis désolé pour Joe, il n'avait pas l'air bien depuis un moment. Tu es un garçon calme comme lui, hein? Tu me laisses faire la conversation. Tu as géré la situation comme un vrai mineur. Puisque tu es le nouveau propriétaire, tu devrais laisser ouvert. Ramène-moi tous les minerais que tu trouves, je te ferai un bon prix. Cette ville en fera bon usage. Au fait, je m'appelle Dorothy. Pourquoi ne tentes-tu pas d'extraire des pierres précieuses? Ok. Mes amis m'appellent Hank ou Cranky. Tu peux m'appeler Monsieur McCrank.
Il va te falloir une meilleure pioche. Le rompu de ressources, la mine est dans l'entrée fermée. Ok. Et bah... Let's go. On va prendre les minerais. Du poubellium. Ok. Ça te donne grave envie. Essayer. Ouais, mais du coup, tu peux pas, genre. Ouais, là c'est mort pour aller chercher les trucs. Par exemple. On peut les attaquer, eux ? Alors, oui, mais faut faire gaffe. Ah, je peux pas creuser ça. Ok. Bah du coup, c'est fini quoi. Je vois pas trop ce que je pourrais creuser là. Je sais pas si c'est généré procéduralement ces trucs là. Ou si c'est toujours la même cave. Bien sûr. Bah écoute, on va essayer de remonter si on peut. Voilà. Choper le joyau qui est à droite là. Voilà. Mais du coup. C'est fini. Sauf s'il y a des trucs là que j'ai pas vu. Ah, déjà il y a un ennemi. J'aimerais qu'il... Voilà, j'aimerais qu'il se déclenche. Ah bah. J'ai sauté dessus. Vends ton butin. Ah attends, il y en a encore là. Ok. Hop. Donc on vend à elle. On dirait que tu prends le pli. Je devrais aller voir mon père à la boutique de mise à niveau. Il réparera ta pioche et tu pourras creuser encore plus profondément. Ne lui dis pas que tu m'as vu en bas. Ok. Mise à niveau déverrouillée, pioche tranchante. D'accord. Donc plus tu vends de trucs, plus ça te débloque des améliorations. J'ai de quoi travailler maintenant. Qu'est-ce que tu veux alors ? Nouvelle pioche. Go. Avec cette pioche, je pourrais creuser encore plus profondément dans les blocs de saleté plus durs. En cherchant des minerais, j'ai trouvé une autre chose, une caverne. Viens voir, j'ai ramené toutes sortes de choses ici. Fais attention quand même. Les créatures sont devenues agressives depuis sa disparition. Ok. Quelle caverne? Ah oui, d'accord, ça m'a mis un point sur la carte. Ah ouais, cool. Maintenant, je les one-shot, les trucs. Ah, puis je suppose que... Comme on voit, là... Comme les trucs sont réapparus... Ah oui, d'accord. Et le truc, c'est qu'après, là... On a des... Oh, j'ai failli crever. Allez là. Ah d'accord, parfait. Donc on peut bel et bien, j'ai l'impression, leur péter la gueule, voilà, avant qu'ils apparaissent. C'est juste que j'ai pas été assez rapide à la fin.
Là, il y a une cave. C'est de ça qu'elle parlait, l'autre. Alors, attends, on va juste récupérer de la thune avant. Pas assez de place. Ah bah oui. Alors. Ok. Oh, d'accord. Ça se referme en fait. Ah oui, ouais. Brutix. Merde. Oh, c'est pas vrai. Je suis devenu pas doué en platforming. C'est ouf. Il y a quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Technologie assimilée, bot turbo. D'accord. Il y a quoi en bas sinon? Rien. Le con. Ah, oh, attends, je viens de comprendre. Merde. En fait, ce qu'il faut faire, c'est... Ah, je sais pas comment on fait, mais en fait, faut réussir à... Ah si, voilà. Paf, et donc du coup, là... Attends. On peut... 4. Virer ça. Voilà, pour prendre la citrine, c'est mieux. Ça vaut... Putain. Ça vaut 16. Donc, En fait, j'essaye de faire des sauts à la mid-boy. C'est pour ça que ça marche pas. Sauter sur le mur pour aller de l'autre côté. Courir plus sauter. Ah oui, d'accord. Tu vas plus haut. C'est comme ça. Ok. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais visiblement ça a l'air d'être bien. Je voulais aller là, moi. Peut-être un truc. Tant pis. Ouais, donc en fait, ça risque d'être un peu plus facile si t'as le sprint. Je sais pas, en vrai. Putain. Je vous jure, je sais pas si c'est une espèce de latence. Ouais, non. Bon, là, c'est ma faute. Mais... J'ai des espèces de réflexes de revenir un peu dans l'autre sens à chaque fois. Mais de trop en fait. Et c'est pas le premier jeu qui me fait ça, donc. C'est bizarre. Ah. Et bah on va virer ça aussi. Ça, je peux pas le péter en fait. C'est bizarre. On dirait pourtant qu'on peut le péter. Et donc comment je retourne en haut maintenant? Faut que je remonte manuellement? C'est ouf. Ça me paraît chelou. Bon, ok. Peut-être que le truc autodestruction, ça sert à ça, hein. Je sais pas, en vrai. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh, punaise! Qu'est-ce que t'as sur les pieds? J'ai jamais rien vu de tel.
Tu l'as trouvé dans la caverne? Tu penses que Joe l'a laissé ici pour toi? Peut-être qu'il y en a d'autres dans la mine quelque part. Tu l'as montré à mon père? Tu devrais. Bon, je suis désolé, je me gratte les mains. Mais c'est parce que j'ai une lucide solaire. Je voulais chercher sur internet. Oh. Faut pas que je gratte en plus. Mais... Tu as trouvé l'une des cavernes de Joe, n'est-ce pas? J'ignore, il y a de bizarreries, il faisait là-dessous. Des rouages et de la vapeur, ça oui. Mais il faisait autre chose de bizarre. Il stockait des trucs dans ma boutique parfois. De drôles de trucs brillants. Je préférerais qu'il les mette dans sa caverne. Que veux-tu alors? Un bon coup de fouet pour retrouver toute ta santé? Ah oui, non, ça j'ai déjà. La nouvelle pioche. Plus 2 de dégâts au sol. Ah, ok. Plus 1 en inventaire. Ça c'est cool. Très pratique pour te sortir de situations délicates, tu peux les empiler les unes sur les autres. Tu peux éclairer l'endroit que tu veux avec ces lampes mobiles. On va prendre le truc d'inventaire supplémentaire, parce que ça a l'air d'être un peu utile. On va se prendre une échelle. La lampe, je sais pas pour l'instant. Je suppose que l'échelle, ça te permet de retourner direct en haut. Enfin, j'espère en tout cas. Alors. Ah, bon, on peut récupérer ce qui était... Ah ouais, mais pas si tu l'as ramassé et que tu l'as acheté, j'ai l'impression. Par contre. Ça c'est cool, ça vaut cher. Ouais, bon là c'est mort, celui-là je l'aurais pas. Oui voilà. Bon. Mais je voulais sauter sur le mur pour éviter de me prendre les dégâts justement. Il y a une deuxième caverne à gauche, là. Par contre, j'ai pas compris comment utiliser l'échelle pour l'instant. Il y a un truc à gauche. Du ironium. Cette place, dommage. Ah, des trilobites, j'avais même pas vu. Ok. Ah non, on peut pas s'accrocher à ça. Ah si. Mais on peut pas y aller pour l'instant. J'ai l'impression. Oh, c'est un truc à aller chercher plus tard, à mon avis. Bon, alors attends, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait? Non. Ah non, c'est juste une échelle! Oh, c'est de la merde, je pensais que ça nous permettait de remonter plus rapidement. Ok. Le truc, c'est qu'on peut plus rien ramasser là. J'ai pas vraiment envie de me taper le chemin en sens inverse. Ah, j'avais presque réussi à pas me prendre de dégâts ce coup-ci.
Putain. Comment je fais là? Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de descendre en vrai. Si on regarde, on n'est pas si loin que ça de l'espèce de point sur la mini-map. Ah mais par contre, j'ai plus de lumière. Là, ça risque d'être problématique. On va plus rien voir. Ah, voilà. J'ai besoin de lumière. En fait, qu'est-ce qui se passe si t'as plus de lumière? C'est la question. Cette place. Oh, ça a l'air d'être un bon truc, ça. Ah, c'est un téléporteur. Je pense. Ou si c'est pas un téléporteur. Ah, si, c'est un téléporteur. Parfait. Plus tu descendras bas, plus les minerais autour ont de la valeur. Ok. Nouvelle lampe. Est-ce que toute la marchandise a été faite de mes propres mains? Trop bien. Alors attends, ça c'est quoi? Plus 60 secondes d'éclairage. Si on met à niveau votre chaudière pour qu'elle brûle au charbon et non plus au bois, elle chauffera un peu plus. Mais j'ai pas assez pour acheter ça. Bon, on va prendre la pioche. Hein. Avant de redescendre. Donc si je retourne là, ça me re-TP en bas. Ouais. De la bronzite, ok. Alors comment je fais pour l'attaquer lui? Bah, comme ça, on dirait que ça pourrait le toucher, mais en fait non. Tant pis. On va se prendre du dégât. On peut pas attaquer en l'air. Oh, quel con. Tu as été détruit, coût de la réparation $13. Il faut croire que tout ne peut pas aller dans ton sens. Cranky t'a vraiment bien aidé. Il a commandé de nouveaux outils lui aussi. C'était pas le bon marché non plus. Il t'a fait payer des frais de remontage. Ok. Connerie, j'ai envie de dire. Mais c'est pas vrai! Quelle connerie! Ok. Il y a de l'eau. Ok. Ah! Il y a du minerai. C'est Minecraft en fait, le jeu. Ah, je peux pas le péter ça. D'accord. Bah écoute, tant pis. Je suis con, j'ai loupé le point d'intérêt sur la carte là. Merde, comment je fais pour remonter? Ah! C'est problématique ça. Je suis censé remonter en fait du coup.
pense que là, si je me fais écraser, je me fais one shot. Par contre, j'ai fait le con et donc du coup, maintenant, bah, je suis coincé. C'est bien, mais le truc c'est que du coup maintenant je suis allé trop bas en fait. C'est très con. Récupérer de la thune hein, quand même. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas crever, oui. Ah oui, mais je veux l'attraper. Bon bah tant pis. Mais ça doit valoir de la thune, ça. En vrai. Je peux le virer, ça, peut-être. 9. Oui, ça valait plus déjà, rien qu'un seul ça valait plus. Mais quelle arnaque, tu devais crever avant. Ok. Ah là, il y avait des trucs. Dommage. Il y a une caverne au moins. On va essayer d'y aller. Dommage. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ok. Ben, on peut pas faire ça encore. Ah si. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Comment j'ai fait tout à l'heure? Je sais pas. Pas comme ça en tout cas. Bon, on va essayer de remonter. Merde. On va essayer de remonter. Hein. Mais... comment on va faire ça, mais... Ouais. En fait, comment je fais? C'est ça le problème. C'est que là, je peux pas le taper, ça. Alors, attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Non, on peut pas taper en l'air. Comment j'ai fait tout à l'heure? J'ai... Est-ce que j'aurais pas tapé avant de sauter? Non. Ouais, mais je suis coincé, en fait, là. T'as besoin de lumière, je veux bien, mais... One shot. Oui, bah le problème c'est que... J'ai pas compris comment on faisait pour remonter quoi. On va essayer de redescendre. Tranquille, comme ça on pourra... refaire le trou par le dessus, mais très con. Enfin, surtout, on va pouvoir aller à la caverne où on n'a pas pu aller tout à l'heure.
Bon, si on pouvait éviter de se prendre les dégâts sur le chemin, ce serait pas mal également. Pourquoi il y a des ennemis là? Ah oui. C'est vrai que je l'ai esquivé tout à l'heure. Ça. Ok. J'ai cru que j'allais me reprendre des dégâts. Mais je suis con, je suis en train de redescendre. Non, c'est par là qu'il faut que j'aille. C'était le skill check. Et viens là toi. Ok, il y a de l'eau en dessous. Voilà. Et là j'ai le skill. Qu'est-ce que c'est? Saut de vapeur. C'est quoi le double saut? Retourne en ville. Alors, calmos. On va récupérer de la thune quand même avant de retourner en ville. Ah! Recharger en eau pour faire le saut de vapeur, ce qui paraît logique, je suppose. Non, je sais pas. Bas plus A. Ah, ok. C'est bizarre comme... Voilà, il n'y a pas 15 000 solutions, voilà. Ça me fait toujours bizarre quand ça explose ce truc. J'ai l'impression que je vais me prendre des dégâts. Ouais, je suis bête, ça, j'aurais pas dû. Ok. Non. Non, non, non. Il y a un truc, voilà. Et du coup, on est retour au départ. Ok. Donc, faut retourner en ville. Ah oui, mais ça va, il y a le TP juste à côté. Merde. Nickel. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Le peu de temps que Joe passait à la surface, il le passait au bar. Il était tout seul en général, il griffonnait des notes. J'ai trouvé cette vieille nappe sur laquelle il gribouillait. On dirait un peu une carte, non? Il a écrit quelque chose aussi. Ok. Ça me va. Merde. Non mais je voulais pas te parler, je voulais d'abord vendre. J'ai la flemme de lire. Et est-ce que je peux acheter un truc? La nouvelle pioche. Vas-y, hein. Hop. Hop. Alors.
Ah merde, c'est con, je peux plus y retourner là. Ok, donc là on va pouvoir faire un chemin. Et surtout on va pouvoir avoir le super saut. Ce qui va nous aider. Ah oui, d'accord. Paf. Ah merde, je suis déjà plein. Donc du coup on va retourner vite fait en ville. J'ai un peu de mal avec les touches en vrai. Je sais pas, c'est bizarre comme type de contrôle. Ah dommage, quelque chose près. On va prendre l'amélioration de sac, je pense. Ok. Descend. Mais en fait, on avait trouvé une autre caverne qui n'était pas indiquée. Du coup, c'était celle-là? Non, on avait encore une autre où il fallait sauter justement. Où je raconte de la merde. Comment on voit la carte? On peut pas? Oui. Il y avait une autre caverne, hein? Je suis pas fou. Mais c'était plus haut en fait, c'est ça? Et maintenant qu'on a le saut vapeur. On avait trouvé une autre caverne. Ou alors elle était plus bas? Je me souviens plus. C'est celle-là? Oui, c'était celle-là. Merde, ça marche pas? C'est pas bon comme ça? Ah, voilà. Tout ça pour ça ou comment ça se passe? Merde. Ah merde! Ok, alors attends, on va réessayer. C'est marrant que niveau d'eau baisse quoi. Ok. Ah ok. Pour de l'amélioration. Ça me va. Bon, j'ai bien fait du coup de faire demi-tour, je pense. Ce sera toujours utile pour plus tard. Ok. Il y a un truc à ramasser là en plus. Hop, on va éviter de se prendre des dégâts hors descendant trop rapidement. Évidemment, je m'en prends. Hop là. Est-ce qu'on se soignerait pas? Vu qu'on a le TP, autant en profiter. Déverrouiller téléporteur. Ah! Ça m'intéresse. Et donc du coup ça permet de le poser, c'est ça? Ça me va. Ok bah écoute. Hop. Allons-y.
tout se passe à merveille. Ça, je ne sais pas comment le faire encore. Et ben, allons-y, descendons. De déclencher tout ça. Ça se pète pas, c'est ça? Tout à fait. Fais gaffe, il y a des pics. Genre à droite là. Dolomite. Récupérer de l'eau. Ah, cette amélioration, tiens. Bah merde, non. Allez, oui, j'essaye de venir te chercher, petite boule. Voilà. Continuons à descendre. Par contre, on va plus avoir de lumière bientôt. Devenir rapidement un problème. J'ai l'impression que les ennemis one shot quand il n'y a plus de lumière. Ou un truc du genre. Bon, ça, on en a récupéré. Putain, saloperie. Oui, c'est dangereux en fait, parce que du coup tu peux ne pas voir les pièges qui t'arrivent sur la gueule. En vrai, je pense qu'on peut mettre le téléporteur ici. Comment on avait fait tout à l'heure? Comment j'avais fait pour le placer? Okay, non mais ça je veux bien que ça cycle sur les objets, mais ah, Y utiliser l'outil, ça marche pas. Ah si, voilà. Toi, oui, non, on s'en fout. Non, d'abord faut vendre. Pif. C'est le plus gros sac que je puisse fabriquer moi-même. Ok. Hop, on va prendre ça. On va prendre ça aussi, voilà. Ok, et donc. Et du coup, c'est devenu une zone où il faut taper 4 fois seulement. Ok. Voir ce que c'est, ce bordel. Oh. C'est censé pouvoir. Attends, j'ai peur que ce soit une énigme à la con et que... Non, ça va. Ah si, si, ça me tombe sur la gueule. Je suis en train de me dire... il va faire des allers-retours, mais en fait, non, ça va.
Ok. Ça va, c'était plus simple que ce que j'aurais cru. Je m'attendais à... Oh, 50. Ok. Worse. Ok, ok, ok. Bien. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça, on peut pas le péter encore. Il y a des grandes chances que... Ok, il faut qu'on trouve trois trucs. Ça, on peut pas. Mais quelle arnaque. Je voulais pas tomber. Je voulais aller là. Et là, il n'y a rien, en fait. Ça ne servait à rien. Ça ne sert à rien. Comme... Là. Faire tomber ça. Ouais. Je veux bien, mais... Je suis perdu. Quoi qu'il y ait une chance que je n'ai juste pas trouvé. Oh, faut que j'aille. Ah, un levier. Ah, d'accord, ça c'est des trucs qu'en fait on peut ouvrir que d'un côté. Je pense. Ce monde est sérieux. Non mais... Ah, j'y étais. Un, de deux. On va trouver le troisième maintenant. Sous le sable, je suppose. Il y a de la thune ici déjà. Hop. Ok. Donc non, c'est pas là. Aïe. Non, 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 non. Voilà. Marrant, ça. Mais donc, du coup, ce serait par là. Comment je suis censé faire? Ah! Oh. J'avais pas compris. Et ouais, toi, en sautant, tu peux péter des trucs. Pas con. Donc genre... I see. Bon tuto. T'explique sans avoir à mettre les mots dessus. Les meilleurs tutos, ça dit en passant. Ok. Donc du coup... Ouais. Hop, il est là le truc. Ouais, je sais comment. Ah d'accord, faut passer par le milieu, oui. Logique, quoi. Parce qu'on va avoir le pouvoir de péter ces pierres-là. Je suppose. Foreuse. Ah, ça consomme de l'eau. Ah.
Et donc, du coup, je fais comment pour changer de... Ok, comme ça. Ok. Je comprends mieux. Je suppose que ça va péter plus rapidement les trucs, mais que du coup tu es. Et donc ça, je fais comment pour y aller du coup? Genre, on peut forer depuis l'autre côté? J'ai un gros doute hein, qu'on puisse se permettre de péter les trucs qui sont plus ou moins destructibles, enfin en tout cas qui semblent l'être. Ah si! Oh, zone secrète, d'accord. Donc il y a des zones secrètes. Déjà, c'est... C'est-à-dire qu'il y a des trucs à trouver, quoi. Ok. Et donc là, du coup... C'était quoi l'idée? Non, on a déjà tout récupéré là. Oui, c'est le truc qu'on a fait s'évaporer. Enfin, se casser la gueule les trucs. Donc du coup... Bah non, moi je sais pas. Pas beaucoup en vrai les certains des pas à cette place dommage ah oui donc là en gros pour pouvoir aller à ce truc là il faut absolument avoir l'upgrade c'est ça c'est pour pas que t'y ailles avant de C'est censé être un boss. Retourne en ville. Je veux bien, mais... Ah, c'est un truc... D'accord. Ah, d'accord. Waouh, cette foreuse, elle est vraiment puissante. Assez pour percer un sol très solide. Tu penses que c'est Joe qui voulait que tu le fasses? Découvrir Old World sur la mine? Il doit y avoir un trésor là-dessous. Il n'y a que des... Shiners ici. Ils n'ont aucune notion de la valeur des pierres précieuses. Ça pourrait être une ruée vers l'or pour Tumbleton. Armure de fer. Oh. T'as atteint Old World. C'est un endroit humide et traître. Tu as vidé le tuyau pneumatique aussi. C'est plus fiable que ces trucs brillants. Fais attention pendant ton exploration là-dessous. Les Shiners peuvent être très dangereux. Ce n'est pas le meilleur endroit pour une mine. On ne choisit pas ce genre de choses, j'imagine. Que veux-tu alors? Je veux... Armure, plus 1 de santé max. Ça pourrait valoir le coup, mais en vrai... Si, si, on va prendre le gros sac. Voilà. Plus 1 d'omax. Oh. Non, non, on va prendre ça. Pardon. Il y avait quoi d'autre? El Machino, et puis là, il n'y a rien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là en bas? Un autre biome quoi, j'ai l'impression. Chocolatite. Rien que le nom, il a l'air bon.
Oui, quoi qu'il y a des méchants là. Peut-être pas le bon plan. On va y voir ce qu'il y a par là. Ah, rien. Bon, voyons voir ce que ça donne. En vrai. Ah merde, ça marche pas. Ok. Il s'est suicidé. Ça me va aussi. Ils sont pas dangereux en fait. Enfin, pas plus que les autres quoi. Juste faire gaffe quoi. Attends. On va plutôt passer par là. Ce serait bien, ouais, voilà, j'allais dire, j'ai plus de flotte, ce serait bien. Allez, on cherchait. Ça a l'air d'être un peu buggé les collisions avec l'eau, hein, par contre. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh là là, oh là 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 là. Sans la bonne énigme. Tu es là sans ma belle énigme. Ça. Et une fois que t'es là, faut réussir. À faire tomber les trucs. Et comment? Faut pas trop les faire tomber en plus, c'est ça le... Donc on peut remonter comme ça. Attends, non. Faut que je commence comme ça. Comme ça. Sinon, le truc va tomber et je pourrais plus taper dans celui-là. Enfin, dans les deux que je viens de péter. Hein. Donc, comme ça, tu te pousses. Et ensuite, comme ça. Voilà. Et normalement, là, tout est aligné. Parfait. Après, est-ce que ça sert à beaucoup, ce truc-là? Je sais pas. En vrai. Bien. Par contre, j'ai plus de lumière, en vrai. Ça va devenir vite un problème. Ok, il m'a rendu de la vie et pas du tout de la lumière.
On va essayer de remonter alors. C'est un peu relou d'avoir à remonter manuellement, mais bon. Voilà. Hop, toi. Prenons des trucs. Pressuriseur. Pioche destructrice. Tatata, qu'est-ce que c'est que ça? Pioche destructrice, plus 1 de dégâts aux ennemis. Hein, c'est cool ça. Et donc c'est quoi leur pressuriseur hein? Moins 50% de perte d'eau du saut de vapeur. Ok. En vrai, c'est pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Écoutez, je vais acheter ça. Ah bah, non, j'ai fait retour. Et je vais acheter ça. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce jeu. Parce que ça doit faire une heure, là. À peu près, quelque chose à quelques patates près. Donc on va s'arrêter là. Hop, quitté. Oui, normalement c'est bon. Hop, on a...